Nous allons passer au cinéma avec notre correspondant aux États-Unis, Claude Budin-Juteau. Il s'est intéressé aujourd'hui à Joy, c'est le nouveau film de David Russell. Et c'est l'histoire du parcours d'une femme qui est vraiment déterminée à réussir malgré les obstacles qu'elle rencontre. Et notre correspondant a rencontré la tête d'affiche, l'actrice principale. Listen to me. I'll tell you what's going to come of you. You are going to grow up and be a strong, smart young woman. Joy est un film sur le rêve américain. Comment une jeune femme, mère de famille, réussit à commercialiser une idée pour les ménagères et devient un chef d'entreprise en dépit de toutes les difficultés qui surgissent à chaque tournant. C'est Jennifer Lawrence qui interprète la jeune femme. My name's Joy, by the way. Joy has, you know, a very kind of complicated family dynamic because she loves her family to the ends of the earth, as most of us do, and they love her. They love her dearly, but they don't support her. But to them, it's out of love. It's to try to protect her. Well, it's the only mop you'll ever have to buy. Hi, would you like to try a new mop? Le film est inspiré d'une histoire vraie, celle de Joy Mangano, une ménagère qui inventa le ballet auto-essoreur dans les années 90. Elle deviendra une présentatrice star du téléachat et femme d'affaires à succès. Mais c'est une opération qui prendra du temps, beaucoup de temps. This particular woman has her own dreams and has her own aspirations that she's put on hold for her entire life. And I think that's a huge reason of why the story spanned for so long for these four generations. Les débuts sont difficiles, la présentation de l'invention ayant été laissée à des supposés professionnels et le ballet magique étant un fiasco. Mais il en faut plus pour dissuader Joy. It could have been handled better. I'll let Todd have another shot. I don't want Todd or anyone else to try it. It should be me. She knew that she could sell the mop. She's a mother of two. She's cleaning a house every single day. She knows about cleaning products. She knows what these women who she's selling to, she knows what they want. And so she finally just had to gather the confidence to say, I'm the one that people want to be seeing. And she was right. Pour Jennifer Lawrence, le film est plus qu'une simple histoire de femme qui réussit dans les affaires. C'est aussi la lutte d'une mère courageuse, déterminée à réaliser ses rêves, sans pour autant perdre de vue son sens du devoir familial. I think it's incredibly inspiring. It's the American dream. She didn't have a leg up. She had her legs cut off. And now she runs a billion-dollar industry. You know, it's if you have a dream, if you have an idea, if you're smart enough, if you work hard enough, you can make it happen. I think it's incredibly inspiring. Le film est réalisé par David Russell, qui avait déjà mis en scène American Bluff et Happiness Therapy, avec quelques-uns des mêmes acteurs comme Bradley Cooper ou Robert De Niro. Il a rajouté ici quelques nouvelles têtes comme Virginia Madsen ou Isabella Rossellini. Joy est un film bien fait et Jennifer Lawrence prouve, encore une fois, qu'à 25 ans, elle est déjà une actrice très accomplie. You are in a room and there is a gun on the table. I want my life to be. The only other person in the room is an adversary in commerce. Only one of you can prevail. Do you pick up the gun, Joy? I pick up the gun. Voilà, et ça sort demain, ça s'appelle Joy de David O. Russell avec Jennifer Lawrence.